Matryoshka. Ah oui, donc s'oublier, c'est aussi une façon de se remettre à sa juste place, sans doute. Mais revenons à notre question qui nous obsède chez Matryoshka, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures et quels sont les actes qui ont un impact demain sur le devenir de la société de nos enfants. Par rapport à ça, aujourd'hui, on est dans une société particulièrement anxieuse, voire souvent décliniste, et on s'aperçoit que lorsqu'on a peur, on est tétanisé, et lorsqu'on est tétanisé, on n'arrive plus à avancer. Mais il faut savoir, tel que nous le décrit Christophe André, c'est que les choses peuvent s'inverser. Et pour lutter contre l'angoisse, qu'est-ce qui est prescrit de faire? Eh bien, de bouger. L'action, elle est anxiolytique parce que beaucoup de nos angoisses viennent du stress et de l'inhibition de l'action. Ça, on a montré que quand on, par exemple, ça c'est de la science, qui est connue maintenant du grand public, c'est des travaux déjà anciens, quand vous administrez des chocs électriques à des animaux, c'est pas bien, mais on fait ça parfois dans les labos, pas mortel, hein, ils survivent, mais des chocs désagréables, selon que les animaux peuvent échapper au choc, sauter par-dessus une petite barrière, ou qu'ils soient obligés de les subir, même à quantité de choc égale, ceux qui ont pu agir pour échapper sont beaucoup moins abîmés biologiquement par le stress. Ils ont moins d'ulcères de stress, moins de sécrétions de cortisol, etc. Donc biologiquement, l'action est une sorte d'antidote à l'angoisse. On est équipé pour ça et c'est normal. Hein. Le point de départ de ça, c'est d'échapper à la mort. Dans le monde naturel, il faut que lorsque vous êtes stressé, le stress vous mobilise au lieu de vous immobiliser. Enfin, parfois, il faut s'immobiliser pour ne pas se faire repérer par les prédateurs, mais en général, il faut se battre ou il faut fuir. Donc il y a ce côté animal, peut-être d'ailleurs, plus que biologique, dans l'effet anxiolytique de l'action. Et puis, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'image de soi. Rester figé, pétrifié par rapport au problème, va me renvoyer ce sentiment d'impuissance qu'aucun humain n'aime ressentir. Et chez un certain nombre d'entre nous, ce sentiment d'impuissance va se transformer et se métaboliser en agression contre soi. Il y a un point, par exemple, qui m'intéresse dans ce que vous avez écrit, c'est les biais de négativité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un atavisme au niveau du cerveau, de voir a priori ce qui dysfonctionnerait. Et donc, quels sont les leviers pour évoluer? Le savoir, on a hérité d'un cerveau, effectivement, qui a traversé des dizaines de milliers d'années où on était en danger, et donc qui, pour notre survie, surréagit au négatif. On se souvient mieux des ennuis que des joies, on focalise plus notre attention sur ce qui va mal autour de nous que sur ce qui va bien. C'est une question de survie. L'évolution nous a équipés, pas pour le bonheur, mais pour la survie. Le bonheur, c'est notre affaire, c'est à nous de faire ce travail. Donc, ce cerveau archaïque, c'est le nôtre, voilà, il a plein de vertus, plein de qualités, mais il y a ce gros défaut dont vous parlez, ce biais de négativité. Que faire? Le savoir. Mais c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une très bonne nouvelle, moi, je trouve. Parce que si, après tout, le bonheur, c'est en plus, oui. Mais la survie, c'est nécessaire. Oui, c'est-à-dire oui. Que si notre cerveau, il est fait pour nous aider à survivre, après tout, c'est ça qu'on a peur de perdre aujourd'hui. C'est la vie. Il y a quelque chose qui culpabilise beaucoup de gens, c'est est-ce que je peux me permettre d'être heureux alors que le monde va mal? Si je travaille à mon propre bonheur alors que tout va mal autour de moi, est-ce que c'est de l'égoïsme? Pas forcément. Pas forcément, parce que le fait d'essayer de se sentir bien, d'aller bien, d'être heureux, c'est quelque chose qui va me donner cette énergie dont on parlait tout à l'heure pour l'action. La dépression me retire de l'action, m'enlève des forces et j'ai moins de force pour agir. Et donc pour les jeunes générations, aujourd'hui, on voit les chiffres sur l'anxiété qui augmentent d'année en année. En France, en tous les cas, partout, c'est absolument incroyable. Partout on la mesure. Donc cette anxiété qui est mesurée comme grandissante, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui arrivent et qui vont prendre la main demain face à cette anxiété croissante, continue de donner, continue d'aller partager,
Ouais. Tu vas trouver un sens à l'histoire et ça va t'aider à avancer ou est-ce qu'il y a d'autres leviers ? C'est un paradoxe, ce surcroît d'anxiété, parce qu'en réalité, malgré tout ce qui se passe, nos sociétés sont quand même plus sûres que les sociétés traditionnelles. Autrefois, des guerres, il y en avait encore plus, et en proportion, elles étaient encore plus massacrantes. Ça, on a du mal à le croire, mais les historiens montrent que des guerres en Europe, comme la guerre de 30 ans, hein, au XVIIe siècle, ou les guerres, même les guerres napoléoniennes, ou les guerres de l'Antiquité, c'était des massacres, mais il tuait 90% des gens dans les pays qui traversaient. Donc notre monde est moins dangereux. Notre monde est quand même, malgré tout, moins violent. Il est beaucoup plus intolérant à la violence. On en parle plus. Le problème, c'est quoi ? C'est notre conscience. Et donc, on est beaucoup plus anxieux parce que on a, d'une part, davantage conscience de tout ce qui ne va pas. On est beaucoup moins fataliste qu'autrefois. Et il y a un autre truc, c'est que nos sociétés sont beaucoup plus illisibles. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. La complexité du monde. Voilà, beaucoup plus complexe. Mais ça va de la complexité de l'actualité à la complexité de comment on marche mon smartphone. On est en perte de contrôle et ça, c'est un facteur d'anxiété. L'anxiété, c'est une allergie à la perte de contrôle, une allergie à l'incertitude. Je vous pose une dernière question. Face à cette anxiété, qu'est-ce que je dis à mes enfants ? Alors, il y a ce que vous allez dire, il y a ce que vous allez montrer. Ce que vous allez dire, ben voilà, c'est des trucs de chef d'équipe, faut dire, oh là là, c'est compliqué, mais on va y arriver, quoi, en gros, avec les nuances. Ouais, et après, surtout, c'est ce qu'on montre. C'est-à-dire, je crois que c'est très bien pour nos enfants de nous voir inquiets, de nous voir déprimés, de nous voir énervés, et c'est très bien qu'ils voient ce qu'on fait quand on est soucieux, quand on est inquiet. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis comme toi, je me fais du souci pour l'avenir de la planète, etc., pour la violence, j'en sais rien, mais... Et du coup, ben voilà ce que je vais essayer de faire. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que toi, tu veux faire des trucs ? C'est-à-dire qu'ils nous voient à l'heure par rapport à nos émotions, à nos inquiétudes. Et ça, je crois que c'est le meilleur enseignement plutôt que leur faire la leçon, quoi, en quelque sorte. Merci beaucoup, Christophe André, pour tout ça. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Merci à vous de le partager, de continuer à nous accompagner dans toute notre aventure Matrioshka. Nous allons poursuivre nos entretiens pour enrichir cette collection de cadeaux de personnes qui veulent nous transmettre ce que l'on doit donner aux générations qui viennent. Alors, continuez à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, partout. Écrivez-nous et nous, on vous dit à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.